je suis ni artiste contemporain ni street artiste, je suis avant tout artiste. L'essentiel de l'œuvre, elle tient dans cette formule. Voilà. Donc après, il y a la mise en place de cette idée. Donc ça passe par l'affichage et par des projections principalement. Alors mon portrait avec mon nom. Je fais ça depuis 17 ans, depuis 2001. J'ai commencé en 2001, voilà, à afficher mon portrait dans les rues, avec toujours cette idée, c'est la promotion qui fait l'artiste, ou le degré zéro de l'art. Donc là, je réponds à l'invitation du Mur 13, voilà, qui est une association qui accueille des artistes plutôt issus de l'urbain, pour recouvrir donc, soit à la peinture, là dans mon cas avec des affiches, sur deux panneaux publicitaires qui ont été réunis au pied de la BNF. Alors c'est très simple, le portrait n'a pas bougé, mais cette fois-ci, c'est quand même une invitation. Donc j'ai voulu répondre et donner une position finalement de l'artiste. Donc j'ai inscrit à côté du portrait une phrase qui dit « J'aurais voulu être un artiste ». C'est un portrait, c'est une photo d'identité, de John Amon. C'est vraiment la clé de voûte de tout le projet. Voilà. Parce que je considère qu'un artiste, quoi qu'il fasse, il fait sa promotion. Le talent, c'est la meilleure forme de promotion pour un artiste, si vous voulez. Donc, en affichant ce portrait et ce nom, je renvoie à l'artiste, voilà, qui est l'artiste John Amon. Après, que ça soit moi, en fait, c'est pas important. Voilà, que ça soit moi ou un autre, c'est pas important. John Amon, finalement, ça peut être un peu tout le monde. Mais, voilà, c'est l'idée de dire que la promotion, c'est l'essentiel d'une démarche artistique.